Alors, le tournoi donc démarre. Alors, président Fred, aux côtés de notre président, le président Amot, voilà, ça démarre et le président Amot, lui, vient d'arriver. Oui, c'est un plaisir. Le président Amot a toujours été là pour soutenir la FAEF. C'est un honneur pour nous. Et le président Amot, vous savez qu'il n'est pas que là comme spectateur, c'est aussi un footballeur. Donc, bientôt, vous le verrez dans toute une autre tenue. Alors, président, soutien incontesté. Incontesté. Et personne ne pourra jamais contester. Parce que lorsqu'on a des hommes comme Soufret qui essayent de réunir toute la diaspora européenne, parce que ce n'est pas donné. Et là, aujourd'hui, je vois aussi des étrangers, les Algériens. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste l'encourager. Parce que ça nous manque. Cette diaspora a besoin d'être unie. Et lui le fait valablement, avec beaucoup de qualité. Je suis très content d'être là. Je suis arrivé du Cameroun, ça fait 5 jours. Je suis allé directement en Espagne. Et hier, je suis venu rapidement parce qu'il fallait que je sois là. Et tout à l'heure, je mets la godasse qui fait très mal. Avant que quelle histoire encore? Raconte l'histoire. L'histoire du match Canon Tonnerre. Quand Mila retourne au Tonnerre. Il est en retraite. Il marque le deuxième but. D'égalisation. Celui qui marque le premier but, c'est qui? C'est lui là. De Montpellier, je ne sais pas. C'est lui. De la tête. Que pensez-vous à l'idée de vous déplacer pour le Cameroun par rapport à la Coupe d'Afrique? Pour la Coupe d'Afrique du Cameroun, moi ça me fait un grand plaisir si je suis là-bas. Mais il faut que je sois là-bas. Parce que là, peut-être la Côte d'Ivoire m'envoie un billet d'avion pour que je sois là-bas. Mais pour aller soutenir la Côte d'Ivoire, si jamais la Côte d'Ivoire n'est pas là-bas, je suis obligé de soutenir le Cameroun. Et puis bonne chance au pays. Merci.